On devait dire heureux. Oui, non, parce que j'ai relancé le stream. Voilà, vous êtes tous là, voilà. Alors, petite partie en héroïque. Ah, puis voilà, pas de crâne. Si, crâne, la fête des grenières. Peut-être la première map, par contre. Ah, c'est ça, Pilar of Atom. Non. Ah si. Ah si, oui, c'est celui-là. Ouais, d'accord. Parce que j'ai vu le cartographe silencieux, en fait. Tu me déçois. C'est toi qui me déçois, parce qu'en fait, c'est la première map, c'était pas celle-là. T'as changé de map en Tsum Tsum, là. Hop là. On attend juste 5 minutes. J'ai un coupé qui vient sur le... Appréciez cette magnifique musique. Yes, alors, bon, go. Démarrez. Il y a trop de joueurs dans votre groupe pour jouer à ce mode. Ah. C'est K2. C'est bien si bel, semble-t-il. Ah, c'est plutôt triste, du coup. C'est un mode en multi qui s'appelle... N'est pas grave, je m'en vais. C'est... Tu vas faire quoi? Tu vas jouer à DBD, du coup? Ouah, je sais pas. Ou alors je mets le jeu et je joue en solo. Ouah, comme tu veux. C'est quoi qu'il faut faire? Mission? Ouais. Allez, je vais faire le jeu de mon côté aussi. Le Pillar of Atom, c'est ça? C'est ça. Ouais. Faut compter sur démarrer, on va faire 3-2-1 clic pour être en même temps. Attends, parce que moi je vais le mettre peut-être en d'une difficulté différente. Tu mets en normal. Héroïque, c'est vraiment dur? Oui. Bah, c'est le jeu normal, mais c'est un peu. Faut pas faire d'erreur, quoi. Ok. Ok. Il va. C'est mieux. Alors, voyons voir les options. Bon, tu nous dis quand c'est un peu chiant. Démarrer. Okay. Clic. Bah, moi, je suis prêt. 3, 2, 1, clic. Tut. 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 Une histoire de. Comme ça, je suis pas obligé de dépendre de vous qui allez faire des conneries pendant le jeu. Mais on est beaucoup trop. Ah ouais, tu vas dépendre de tes conneries, hein. Je vais dépendre que de mes conneries à moi. Et comme je suis bon à FPS, ça va aller. Oui, inspecteur. Ouais, ça serait marrant de voir. Vous allez voir, j'aurai 3 missions de retard sur vous, mais c'est pas grave. Attends, je vais juste baisser un peu. Ouais, est-ce qu'on essaie de speedrun pour vraiment dépasser et spoil la fin avec un. Ah, complètement. Mais je l'ai déjà fait ce jeu. Le pire. Hein? Ah non, je l'ai pas fait celui-là. Non, il y a peu de chance. Ah, et alors, est-ce que tu l'as en remasterisé? Pas du tout. D'accord. C'est moche! Ouais, comment on change? Ben, on peut pas pendant les cinématiques. C'est le 1. Ben, moi, je trouve ça très beau avec l'ancienne version. Ah ouais, avec le JPEG orange. Baise. Et oui. Parce que dans la nouvelle version, il y a un autre JPEG, mais je l'aime moins. Ils ont changé le JPEG. Putain. Bah oui, non. En 10 ans, bordel. Attends, mais je t'entends pas. J'entends pas les voix. Ah, mais si, on l'a déjà fait ce jeu-là. Mais oui, on l'a déjà fait. Ah, bah c'est bon alors. C'est celui qui est super fiant. J'ai pas le son. Non mais ce jeu-là, il est horrible, si je me souviens bien, c'est là où il y a les petites bestioles chiantes, là. Ouais. Le parasite. À l'aide, j'ai pas envie de revivre ça. Ah, oh, c'est bon, on va le vivre ensemble. Non mais moi, je suis tout seul. Tout seul en légendaire, là, je t'ai mis en légendaire. Non, je me souviens pas légendaire, je l'ai mis dans le truc là en dessous. Ah oui, on pourrait tellement faire une partie à 4 en légendaire. On peut faire ça sur Reach ce soir. Oui. On peut faire ça sur Reach ce soir. Avec tous les crânes. J'ai essayé une fois, c'était marrant. Oh, ouais, 5 minutes. Mais sur des 12 heures de campagne, on va éviter. Puis j'ai pas le niveau en plus. Mais personne ne l'a. Allez, réveillons-nous. Ah non, putain, c'est le truc avec Johnson. J'entends pas les voix.
Moi j'entends Aldric, Ah donc non, du coup tu vas ça louper la voix du sergent Johnson. Le meilleur. Alors bande de couilles de meufs viennent de tête de notre brute. C'est exactement ce qui va se passer. Mais en vrai, il leur fait un petit discours un peu sympa. Enfin, moitié sympa, moitié militaire, tu vois. Mais non, je crois que c'est la version remaster, c'est trop bizarre. Non, non, c'est la version... Attends, pourquoi j'ai... Attends, mais c'est la Switch sur la version remaster, là. Quoi? Ouais, moi aussi, c'est la Switch de l'une à l'autre. What the fucking fuck is this fucking fuck? Parce que Johnson, il est pas dégueulasse. Il est moi... beau. Il moi, est ancien, beau. Il est beau. Non, rappelle, Johnson, c'est un Spartan 1. Ah, c'est un Spartan, lui. C'était un Spartan. Alors, en fait, t'as enfin, plusieurs c'est le projet types de Orion, Spartan, mais c'était pas et vraiment... c'est le C'était... premier de... Sur des Spartans, en gros. C'est l'un des premiers. Ça oui, j'ai raison. Malheureusement, il est resté sergent. Bon. Voilà. Bon, nous, on est major, c'était bien. Non, on est adjudant. Ah merde, oui, c'est vrai. Eh oui, c'est le 1. Oh putain, attends, il en a repassé le Et là, vous voyez le Doomguy qui se réveille. Eh, en vrai, c'est grave ça. C'est ouais, un peu ça, ouais. En vrai, de vrai. Coucou. Bon, il va falloir faire des petites modifications sonores, là, je pense. Il est chaud. Comment ça, il est chaud? Non, il est prêt. Non, bah, les outils, tiens, marqué, il est chaud. Pourquoi t'as mis les sous-titres, bordel? Bah, j'ai mis les sous-titres pour la VOD, oui. Oh, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu. Mais dans la campagne, ça n'aura aucun sens. Alors, attends. Attends avant de partir, toi, parce que je te vois déjà te barrer. C'est parti. Non, non, attends. Attends, je suis en train d'écrire un message en même temps. Attends, volume du jeu. Vite, je termine mon message pour pouvoir faire de la merde. Vidéo. Pourquoi ça explose déjà? J'ai fait planter mon jeu, merde. c'est la guerre. Qualité des graphismes jure, améliorés. C'est vraiment... En fait, tu fais select pour changer les graphismes. Tu peux les changer in-game à n'importe quel moment. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, je suis pas sur manette. Ah, je sais pas c'est quoi là tout. Ah, attends, bah, je regarde. Bon, j'avance, je te TP. Hein. What the fuck? Il y a même pas... Attends. Oh, mais non, mais... Là, oui, c'est pas. J'ai rechargé l'action. Ah, on s'emmerde dans ce jeu. Ok, ce que je vais faire, attends. Par contre, il fait des sauts, mon pote, il saute 3 mètres. Il n'y a pas de gravité. Bah ouais. What? Oh non, mais attends, c'est une blague. Attends, mais le jeu Parle est moins pas fort, je peux pas entendre les indications du tutoriel. Ta gueule! Bon, obligé de passer sur manette. Hop là. Parce que le clavier ne marche pas. Ah oui, j'ai oui, pas entendu oui. Les indications du jeu à cause de vous. Attends-moi, Drake. T'es où? Yeah, c'est par là. Yes. En fait, je t'ai passé la partie où il y avait des gens qui se tiraient dessus, mais on pouvait rien faire. Ah, oh, c'est plaisir d'avoir un Halo en 60 FPS, putain. C'est en fait, ouais, c'est ça qui me rend ouf, c'est que. Mais même si vous le jeu est... Même si le jeu peut être super vieux, bah, genre, ça tourne super bien. Ouais. Ça fait plaisir. Après, ils ont vraiment mis la version. Il y a un terminal là, si ouais, tu veux. On va le prendre. Bah, moi, je vais pas. Si c'est déverrouillé, arrivez. Bah, prends-le aussi, toi, comme ça. Attention. Ce jeu est succès. Oh non, par contre, à l'aide. Commande. C'est la première fois qu'on entend parler de 343 Guilty Spark. L'un des monitors des installations. Et c'est trop bien parce que, tu vois, contrairement à la version sur Xbox, là, c'est in-game. T'as pas à te taper un truc qui te fait sortir du jeu. Alors moi, sur Xbox 360, c'était in-game aussi. Ouais. Ah oui, à part la Master Chief Collection, peut-être, mais sur 360. C'est dans... Ouais, c'est sur la One. Ah, je lag. Comment ça, je lag? Ouais, je lag, quoi, j'ai envie. Si j'ai envie, je... Je suis en fibre, je ne peux pas laguer. Putain, mais moi j'aime trop la vieille version. Non, la fibre, ça lag moins, mais c'est pas stable. C'est moins stable que le Wi-Fi. C'est ta relation qui est pas stable. Non, mais mes relations, elles sont jamais stables, non. Tu peux pas dire ça, la relation avec ma mère, elle était très stable.
Mais ça, ça compte pas. Ça fait 22 ans qu'elle dure. Putain, ça dure. Ah là là. Bah, je vais regarder l'espace en attendant. En fait, j'ai quitté la cinématique et j'ai la flamme de me la retaper. Hey, bah, c'est bon, j'ai la fin de la cinématique. Yep. Bloqué par une chaise. Allez. Ah! Sam il s'est fait tuer comme une merde. Elle marche tellement pas, c'est une punchline. Sam est mort tout seul comme une merde dans son caca. Ah ouais, si t'as pas le Sam, t'as le Sam. Ah bah Bernard aussi. Mais où est Bianca? De ouf. Bon, j'ai pas d'armes, fais chier. Que j'augmente encore les le son parce qu'on les entend pas parler. Mais où sont les armes quand on en a besoin? Où sont les armes? Vous devez quitter le vaisseau. Signez plusieurs zones d'atterrissage. Téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. J'aurais pensé qu'il ferait quand même une petite amélioration graphique pour la version PC. C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. On t'entend pas, Aldric, t'es très silencieux. Mais tu me dis ça à chaque fois, et à chaque fois selon la cinématique, tu vois, c'est tout. Non mais de toute façon ça sert à rien. Tout le monde parle, tout le monde s'en bat les couilles. J'entends pas les voix. Je vais m'en battre les couilles aussi, parce que de toute façon... On l'a déjà fait 1000 fois. J'y arriverai pas. Mais non! Non, moi j'ai pas fait 1000 fois. Puis en vrai, menteur. J'aime bien le... Je sais pas, le... Bah non, j'ai dû le faire 4 fois ou 5 fois. Oh les clips qu'il y a avec ses paupières, c'est dégueulasse. Mais putain, mais arrête de critiquer. Ah bon, c'est la nouvelle version, en vrai, tu peux. Alors, j'ose même pas voir ce que c'est que l'ancienne. Bah, l'ancienne version... Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'autre. Parce que j'ai un gros canon à l'avant, c'est ça? Je disais, c'est littéralement ça qui est dit. Ah mais oui d'accord. Ouais. On va taper des trucs. La VF est très claquée. Non mais attends, je peux pas. Attends mais c'est quoi ces conneries? J'ai un gros bug. En vrai, pour la VF de Faux Hammer, je sais pas si... Enfin Faux Hammer c'est dans la deuxième mission. C'est une meuf. Elle arrête pas de. En fait c'est la pilote du Pélican. Et sa voix. C'est comme dans Ken le survivant, les méchants, tu vois. Genre, c'est du génie, mais on s'en est pas rendu compte encore. What the fuck? Bah, la voix de Faux Hammer, rappelles. Non, mais j'ai un gros problème sur le jeu, en fait. C'est que je peux pas augmenter. En fait, si j'augmente le son, le jeu me dit qu'il y a un truc qui est pas... Il y a une touche qui est pas... Ah, qui est pas bindé. Il faut que tu changes le bind. Alors, il y a des tout petits bras, on dirait un tyrannosaure. Bah, je change lequel? De Halo Reach et Halo Combat Evolve parce que c'est soit l'un soit l'autre en fait. En fait, je suis sur combat. Attends, putain, c'est où? Ouais, vas-y, laisse tomber. On n'entendra rien du jeu, tant pis. Mais c'est complètement con que le jeu t'empêche de changer le son. Ouais, ouais, moi ça m'a fait chier aussi. À moins de. Alors, tu veux pas faire pause quand je m'en occupe ou pas? Bah, si, vas-y. Ok. Comment on fait? Alors, tu fais paramètres. Ouais. Tu fais dans les commandes et tu fais configurer souris clavier. Ouais. Tu me bindes toutes les touches. Configurer attribution des touches. Amper stand, c'est quoi? Mais wesh. Pourquoi on a 3 armes? Tu m'expliques? T'as mis le crâne de 3 armes? Non. Yes! On nous donne un flingue pas chargé. Ils sont géniaux. Attends. Quoi? Comment tu fais pour en être à là? Bah, j'ai continué d'avancer vu que je suis pas avec vous. Clavier.
Ah, par contre, oh non, mais lol. Mais non. Attends. Ok, on va. Oh, voilà. Du coup, on sort de là. Comment je fais pour remettre le jeu en anglais? Parce que la VO, elle est en train de me faire mal là. La VF, elle est en train de me faire mal, je veux dire. Sauvegarder les paramètres. Yes, c'est changer bon. La langue. Enfin. Ah, la connexion est perdue, vous serez déconnecté dans mon son. J'ai fait crasher le jeu en augmentant le son. Non, c'est bon, je suis là. C'est une blague. Gros jeu. On peut pas changer la langue. Non, on peut si, les paramètres aussi. Là. Non, je viens de tenter. Changer la langue, le bouton mais sélectionner une langue est bugué. Ah. Le fait, si tu fais sélectionner une langue, ça te demande de sauvegarder en boucle jusqu'à ce que tu fasses annuler le changement. Faut quitter, mais c'est chiant, en crever. Bah oui, mais bon, voilà. Bon, j'ai un flingue et pas d'armes. J'ai un flingue et pas de munitions dedans. Ok. J'en ai pour 5 minutes, je vais juste configurer la manette. Vas-y, avance. Enfin, je vais juste configurer le clavier en fait. Et ça pire. Shift. Tire gauche. Tac, on va rapprocher. F. Recharger R. Grenade. Tac. Option E. Changer d'arme. Je sais pas ce que c'est en first stand. Ils utilisent les sas de nos nacelles de survie pour aborder. On sort et ils entrent. Ils sont malins. Juste regarder les touches, moi aussi. Ok. Sauvegarder les paramètres. Quoi? Non mais c'est une blague! Ce jeu est... Oh putain, je déteste ce truc. C'est bien ce que... What the fuck? Pierre tiré, c'est mieux. Pas. Est-ce que tu comprends pas? Les touches. Comment ils ont fait leur truc? Ok. Et où est le mec? Je suis devant. Normalement, j'ai réussi à bind mes touches correctement. Équipage et personnel opérationnel des ponts 9 à 12. Hop là! Bon, de toute façon, c'est toujours les galères de début de partie, ça. Putain, tu peux m'attendre 5-6 secondes, s'il te plaît? Tant que j'arrive. Comment? Non, je parle à Dag. Ah! Okay. C'est quoi la. C'est quoi ta touche? Non, toi, tu joues la manette, toi, Dag. Ouais. Quoi? Un FPS à la manette. Comment? Attends. Ok, c'est bon. Oh, il va me gonfler à jouer ici. Bah alors, pourquoi ça explose? C'est pas mon préféré le premier Halo, hein. Vraiment, de loin. Mais alors n'y jouez pas? Si, il faut quand même le faire parce et que... On fait voilà. Un autre truc et puis voilà, tu vois. C'est pas parce que c'est ah pas ouais, notre préféré que c'est pas un bon jeu. Bah ouais, mais c'est pour pas, pas kiffer, c'est triste quoi. Okay. Moi j'aime bien. Tous nos mecs viennent de se tuer tout seul. Ouais, bah tant pis. Putain! Ah, fais gaffe aussi, Clem, les rayons d'explosion des grenades, c'est stupide dans ce jeu. Ouais, ça c'est. Ah, bien. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Et le pistolet à une main est overpété. Ouais, ah ouais c'est le meilleur. C'est mieux que le DMR dans Halo Reach. Ok. Non, pas par contre, moi, un Halo que j'ai hâte de faire, c'est le 2. Vas-y. Le 2 il est tellement dur parce que je sais pas si t'as fait toute la. Ah bah non. Non, on l'a pas fait, on l'avait pas fini. J'ai mis un headshot ouais. En héroïque, plus ça avance et plus c'est tendu quoi. Mais c'est vraiment insane. Donc j'avais mes 50 boucliers. Ok. En fait, ce qui m'emmerde le plus dans ce jeu, c'est qu'on peut pas courir. C'est vrai qu'il m'emmerde le plus. Ça va falloir s'y faire, parce que t'inquiète que c'est là longtemps ça. Ah bah ça, y'a que dans le 4 après qu'on peut y rejouer. Putain, je sais jamais où c'est.
C'est un labyrinthe aussi le premier. Ouais. C'est un labyrinthe géant. Il va falloir que je touche. Je trouve la touche pour la flashlight aussi. Ah, c'est un cul-de-sac ça ? J'ai arraché mon câble de micro. M'entendez encore ? Oui, on t'entend toujours. Ok. J'ai pas dû arracher le bon. Non, mal ou pas. Enfin, encore mieux. Pardon. Combattant Alpha à November, rejoignez les postes. Est-ce que t'as une seule idée d'où est-ce qu'on va ? Je vais tout droit. En espérant. Attends, je vais chercher ma touche pour la flashlight. Allumer et éteindre la torche, ouais. C'est virgule. C'est à l'autre bout de la map, yes. Et ça marche pas, yes. The Covenants. Il se passe. Ah, non, c'est là. Ok, je suis là. Ah oui. J'ai déjà plus de balles dans mon flingue. Bah, vu tes potes, tu veux pouvoir en récupérer. Non. Je suis pas un traître. Ah. Pas comme vous. Monte un petit peu la sensi. Ça leur apprendra. Attention, il peut être n'importe où. Tu ne m'échapperas pas. C'est trop fort. Ils sont pas ouf les élites dans ce jeu, j'ai l'impression. Pour l'instant, non. Ouais. Mais quand on a un qui va commencer à te courir dessus avec une épée énergie, ça serait une autre histoire. Ah, j'avoue. C'est ça, en fait, t'as les invisibles qui sont vachement plus présents, en fait. À tout l'équipage, ici le capitaine. En même temps, là, c'est la mission 1, telle que d'elle. Dans le 2, t'as les brutes. Putain, les brutes dans le 2, elles sont vénères. Je m'en souviens pas. On n'a pas dû faire une mission avec les brutes. Ah, c'est possible. Moi, je me souviens de la mission avec le Scarab. Ah bah oui, on l'a fait 4 fois, je crois. Le laser Scarab là, qu'on a jamais réussi à voir. Non, ça c'était à l'O3 ça. Fermeture des portes. Non, bah t'as le. Enfin, t'as ah non, mais le laser Scarab dans Halo 2. Hein. Oh, ouais. Si, effectivement. Par là. C'était laquelle ? Cortana ? Ah oui, c'est la porte, elle s'ouvre. Putain, j'ai mal au crâne, je vais. Fin de la mission là, je vais prendre un truc. Ah. Super leur conduite de sécurité quand même. Ça me fait très penser à Alien Isolation, tu vois, les conduites comme ça. J'ai été TP à 2 mètres. Tu peux te décaler ce maintenant. Il est déjà dans les conduits là ? Ouais. Vous me verrez rattraper vite. Putain. Oh la vache ! Mais il y a une miche sur le truc ! De l'élite ? Ouais. Ouais, je suis mort. T'es mort ? Oui, oui. J'ai un hip-hop, mais. Je me suis pris une droite. Okay. Oh, j'ai pas d'arme. À tous les combattants. Pas plaisir. Décrochez sur les positions défensives tertiaires. Les Covenants voulaient vous prendre par surprise, on dirait. Tu vois, ça veut dire qu'ils savent, ils savaient qu'on était là. Ouais. En fait, c'est expliqué dans la cinématique du début. Ils disent comment ils ont fait pour arriver ici avant nous alors qu'on a sauté au hasard. Tu vois, enfin pas en hyperespace, mais dans leur truc à eux. Quoi. Et c'est parce que leur vaisseau, il peut calculer la trajectoire et après il va plus vite que le vaisseau humain. Ah. Ils sont arrivés avant eux, et ils ont pu préparer leur piège. Ouais. Parce que ça fait péter le cul en fait. Le vaisseau, il se fait péter. Eux après, ils ont deux autres vaisseaux en orbite, je crois. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 4 en orbite en tout. Derrière toi, il y a du monde. Je trouve ça un peu cool que pour présenter le jeu, les mecs ils commencent, genre direct, ils parlent de trucs ultra techniques. Et on n'a pas le temps de comprendre en fait, juste t'es largué dans l'univers et puis au fur et à mesure tu t'apprends. J'ignore combien de temps encore le Pillar of Autumn tiendra. Je crois qu'on a fait un demi-tour là. Ouais, non mais si, qui va faire ça, j'ai l'impression. Attends.
On va faire. C'est sûrement par là. Non, c'est là. Alors là, c'est assez vague. Okay. Attention. Oui, il y a toutes les grenades à côté en plus. Voilà. Ah yes. T'en sors, Clem ? Je suis un peu derrière vous, parce que vous êtes deux, donc vous devancez beaucoup plus vite, mais. Ouais. Oula. Mais ça va. Merde. Il reste une nacelle de survie. Vite. Ah, on a la nacelle. Dans la partie alien isolation, là. Ah oui. Mes touches de clavier. Ah, c'est pas par là. Bravo. On va mettre un sub goal, les gens, ça va être. Le futur clavier. Achetez-moi un clavier. Je m'achète un nouveau clavier. Vous aimez bien regarder vos streamers avoir des claviers. Oh non. Non. Bonne idée de filer. C'est quoi ça? Il y a eu un orgasme quand je l'ai mis à l'intérieur ou? Allez-y. À vos ordres. On est Oh, c'est dommage, il est coincé dans la partie alien isolation, je comprends pas où il doit aller. Ah, puis là, on va pas pouvoir te dire, on connaît pas la map par cœur. Improvise. C'est con, il était beau ce vaisseau. Bon, mon préféré restera le Spirit of Fire, mais il est quand même très très beau le pire en fait. Ah, il y a une scène là qui est assez cool. Aucune idée, mais on y atterrit. L'automne, il a été touché. Je comprends tellement pas où je suis censé aller, c'est un labyrinthe. Qui se passe en manuel ? L'automne qui passe au-dessus de la nacelle comme ça. Heureusement qu'il nous a pas shooté quand même. Ça serait un truc sympa à savoir comment aller branler l'atmosphère de l'anneau. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir ? Ça va aller. Soit son atmosphère elle est en cercle comme l'anneau, soit c'est toute la surface, tu vois. Genre la surface interne. Je pense que c'est. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par la surface interne ? En gros, tu fais un cercle avec tes doigts et tout ce qu'il y a à l'intérieur de tes doigts en termes de surface vide. Ouais, je vois. Donc c'est ça ferait même le centre qui est censé être vide. Le centre qui est censé être vide dans l'atmosphère. Pas. Parce que en soi, qu'il y ait de l'atmosphère, ça pourrait passer s'il y a de la gravité. Et vu que c'est un truc énorme, c'est censé attirer... Bon, c'est pas censé attirer assez de gravité pour qu'il y ait une faune. Oui, il a une gravité artificielle. Donc, ça, ils peuvent tenter de l'expliquer avec... Oh bah putain, la cinématique est mise en pause. Oh le freeze. Parce que j'ai un lag. Ouais, pareil.